troisième type de chromatographie est la chromatographie d'affinité. La phase stationnaire est un support macromoléculaire chimiquement inerte sur lequel est greffé un effecteur qui présente une affinité biologique ou bioaffinité pour une protéine ou un groupe de protéines de l'échantillon à analyser. Différents types d'affinités peuvent être utilisés comme un substrat pour une enzyme, un antigène pour un anticorps, un métal pour une métalloprotéine, un sucre pour une lectine ou une hormone pour son récepteur. Cette chromatographie se passe en trois phases. Au cours de la première phase, l'échantillon complexe de protéines est passé sur la phase stationnaire. Seules là où les protéines ayant une affinité pour le substrat seront retenues. Une deuxième phase est une purification ou lavage qui va éliminer toutes les protéines n'ayant pas réalisé d'interaction spécifique avec le substrat. La troisième étape est l'élution qui va très fréquemment utiliser la compétition pour décrocher les protéines qui étaient retenues sur la colonne. Ce type de chromatographie est très spécifique et sélective et permet ainsi souvent, en une seule étape, d'obtenir une protéine avec un haut degré de pureté.